Hélène Picard de Sainte-Marie est née le 19 janvier 1961 au lac Etchemin. Elle est la cadette d'une famille de 3 enfants. Diplômée en ressources humaines, les 20 premières années de sa carrière se déroulent dans 3 grandes entreprises de la Beauce. À l'automne 2003, un problème de santé vient changer totalement son parcours professionnel. Cet événement marquant l'amène à prendre conscience des difficultés d'intégration des personnes présentant des handicaps. Elle décide de fonder Coup de pouce, entreprise privée en sous-traitance à vocation commerciale et sociale. Une approche originale venait de prendre forme pour apprendre autrement. Pour y parvenir et prospérer, elle doit traverser des difficultés jusqu'alors insoupçonnées. Alors, ma formation en ressources humaines m'a toujours amenée à vouloir aider. Donc, j'avais toujours ce souci de venir en aide dans les différentes entreprises où j'ai travaillé, puis d'amener quelques jeunes à intégrer le marché du travail avec toutes les exigences que ça pouvait demander. Ça, ça a toujours été chez moi très, très présent depuis le début de ma carrière. À un certain moment donné, au fil du temps, à 42 ans, on m'apprend que j'ai une tumeur. Ça a été un événement assez bousculant. Le tumeur était situé au niveau de la gorge. Alors, il y avait des risques assez importants qui étaient reliés à ce type de maladie, si on veut. Et puis, en plus, je venais tout juste de perdre mon père d'une tumeur au niveau des reins. Et puis, dans le cheminement avec papa, mon épa, il me dit, parce qu'on était dans les soins palliatifs, il me dit, « Hélène, t'es-tu déjà arrêtée à savoir pourquoi ils ont appelé ça une tumeur? » Fait que là, je dis, « Non, papa. » Fait qu'il me dit, « Regarde, c'est pas compliqué, ma fille. Là, si un jour on t'apprend ça, ben tu meurs. » Fait que, imaginez un petit peu l'effet que ça a eu chez moi. Ça m'a amené à dire, oh mon Dieu, comment je vais m'en sortir, comment je vais me battre. Alors, mon premier choix, ça a été d'aller en jeûne. Je suis partie 26 jours à ne boire que de l'eau. Et c'était un choix parce que j'avais espérance de la faire fondre, de la faire disparaître. J'avais lu là-dessus, puis je me disais, bon, regarde, on tente la chance. Et dans tout le cheminement du jeûne, il y a eu beaucoup de questions qui se sont installées. Nécessairement, on n'a que ça, on boit de l'eau, on n'est pas fort, donc on réfléchit énormément. Et plus on avance dans le jeûne, moins on dort, plus on réfléchit. Alors, c'était une des premières questions, c'est, Hélène, si tu t'en sors pas, qu'est-ce que tu vas avoir regretté de ne pas avoir fait? Et il y a une réponse qui a été immédiate. Et la réponse, c'était d'aider les personnes démunies. Puis là, je me disais, hey, moi, là, toute ma carrière, j'ai aidé, mais j'ai aidé des présidents d'entreprise, puis oui, j'ai contribué. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour aider les démunis? Comment une personne en RH pourrait aider les démunis? J'avais pas de réponse. Puis un bon matin, je me suis réveillée, démunie sur le plan de l'emploi. Alors j'ai dit, là, j'ai quelque chose. Puis là, il faut comprendre que je suis dans un processus, j'ai peur de mourir. Et là, je me dis, j'ai changé l'énergie d'endroit. Là, je me suis dit, et si je créais? Et si je créais quelque chose pour justement, sur quelque chose qui me parle vraiment, qui part de... C'est vraiment, ça part du cœur. Alors là, je me suis dit, bon, aider sur le plan de l'emploi, j'ai quelque chose. Mais lesquels? Je vais-tu devenir travailleuse sociale? Je vais-tu m'en aller avec les démunis, travailleuses de rue? Regardez, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont cheminé dans mon esprit. Jusqu'à ce que j'aie une chirurgie. Parce que lorsque je suis sortie du jeûne, je pesais 100 livres. J'étais maigre, ça n'avait pas de saint bon sens. Puis je suis retournée à voir le médecin pour me faire dire, regarde, il n'y a rien qui a changé, tu dois subir la chirurgie. Puis ça, j'avais beaucoup, beaucoup peur parce qu'il y avait beaucoup de conséquences à cette chirurgie-là. Ce qu'Hélène redoute le plus se manifeste. Les conséquences de l'opération transformeront sa vie à jamais. Et c'est au réveil que j'ai envie de vous dire qu'est venu l'éveil. J'étais paralysée et j'ai vu le regard des gens sur un handicap. Et là, c'est comme si j'avais plus de potentiel. J'étais, regarde, la moitié du visage paralysé et de façon assez importante. J'avais de la misère à manger. J'avais beaucoup de situations qui étaient comme... Regardez, je me cachais. Je voulais pas que les gens me voient comme ça. Mais en même temps, je me battais parce que je me disais, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir parce que là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris pour qui j'allais bâtir Coup de pouce. Alors, pour moi,
Pourquoi une entreprise manufacturière? C'est que moi, j'ai voulu créer un milieu favorable pour permettre aux jeunes de développer leur plein potentiel. Puis qu'est-ce qui m'a amené à comprendre ça? C'est le regard des gens sur le handicap. C'est comme si, parce que tu es devenu handicapé, bien, ton... puis, et même si je parle pour moi, là, si tu vois l'handicap et tu dis, ah, bien, je ne serai pas capable de faire ça, c'est qu'on s'arrête à l'handicap. Alors que dans le fond, c'est extrêmement faux. On a une situation d'handicap, mais il y a du potentiel derrière tout ça. C'est l'élément déclencheur qui m'a amené à créer l'entreprise Coup de pouce. Et là, j'ai vécu toutes sortes d'obstacles, mais j'étais tellement convaincue, puis j'étais tellement centrée sur la nécessité de mettre en place une telle structure pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir déployer leur plein potentiel, de pouvoir apprendre autrement. Donc, un environnement qui leur permettrait d'apprendre autrement. C'était pour moi... Et comment c'était de leur amener ça dans une situation très, très concrète. Donc, quand on travaille, on apprend. Alors, là, je me suis retournée, j'ai dit, bon, on a fait une table de concertation et je me souviens de gens du gouvernement qui me disaient, ben là, Mme Picard, vous êtes en train de nous dire que vous allez mettre dans votre industrie, et puis là, il dit, je vais vous donner une image, on va ouvrir le tiroir, on va retrouver des bas, des pantalons, des chemises, des bobettes. Il dit, ben là, il dit, ça se peut pas. On peut pas avoir... plusieurs types de difficultés dans une même organisation. Et alors, je leur ai répondu, moi, je pense qu'à partir du moment où on se concentre sur le potentiel de l'humain, peu importe son diagnostic, je pense que tout ce beau monde-là peut être réuni dans un même univers, en autant que l'univers soit favorable au développement des compétences. Donc, je suis allée de l'avant, mais et là, bon, les gens n'y croyaient pas, donc aucun support. J'ai vraiment sauté dans le vide. Puis j'ai envie de vous dire, dans le vide de service, c'est sans parachute, parce que au niveau du financement, personne ne voulait financer un projet aussi audacieux. J'ai décidé de venir en aide aux gens qui n'auraient pas nécessairement du rendement du jour au lendemain. Donc, comment on peut amener une entreprise comme ça à être rentable? C'est effrayant pour des institutions financières. Donc, aucune institution financière a voulu m'accompagner dans ce cheminement-là. Tout ce qu'on m'a dit, bien, vous avez des valeurs, madame. On va vous donner une carte de crédit accordée à faire. Puis, c'est comme un travailleur autonome, vous allez risquer votre propre patrimoine pour pouvoir aller de l'avant. Mais j'y croyais tellement et j'avais tellement foi en ces jeunes-là, j'ai dit, parfait, j'ai parti l'entreprise privée parce que je n'ai pas eu d'autre choix. Et pourquoi j'ai parti privée? Parce qu'il fallait agir vite. Et la beauté de l'entreprise privée, bien, c'est de pouvoir agir rapidement puis d'aller de l'avant. Donc, on s'en va avec ce projet-là. Les jeunes arrivent. Hélène doit continuer à effectuer son travail de consultante en ressources humaines afin de soutenir financièrement son entreprise. Et puis, arrive une belle surprise. Un bon matin, il y a un monsieur qui nous appelle. Il s'appelle Monsieur Talon. Alors, imaginez, là, je suis en consultation, j'ai ma petite usine qui fonctionne. M. Talon m'appelle pour travailler dans les sandales. Fait que là, moi, je me dis, c'est une joke, là. J'ai dit, garde. Mais là, j'avais pas le choix. J'étais appelée à Québec, puis j'ai dit, bon. Fait que là, je me retrouve et je me souviens, c'est M. Jean Talon. Alors, il m'attend. Et c'était vrai, c'était les fameuses sandales Crocs pour lesquelles on a travaillé. Et là, il nous offrait un projet, puis il dit, regardez, on va vous envoyer 500 paires de sandales. Il dit, vous allez travailler là-dessus, puis il dit, si on voit que vous n'êtes pas pire, bien là, il dit, on va regarder faire de la business ensemble. Fait que là, écoute, on avait toute une équipe, puis on travaillait sur nos sandales, puis bref, ça l'a fait boule de neige. Et moi, je me souviens, j'avais rencontré Mme Debilly, puis j'avais dit à Mme Debilly, un jour, je serai votre sous-traitant principal en Amérique du Nord. À partir de rire, 8 mois plus tard, nous étions le sous-traitant principal en Amérique du Nord. On est passé de 500 paires de sandales par semaine à 500 paires de sandales à l'heure. Mais j'avais tellement à cœur de créer quelque chose. Et je vous dis, c'était toute la foi dans mon projet qui nous amenait à vraiment diriger pour pouvoir permettre aux jeunes de venir dans un univers d'apprentissage puis vraiment créer. Donc, j'ai toujours eu à jongler entre le monde des affaires et le monde social. Donc, le concept qui est en collaboration avec la commission scolaire qui nous a aidés dès le jour 1. Eux, ils ont cru dans ce qu'on allait bâtir. Et là, bon, bien, à un moment donné, on travaille dans le concept. Puis là, il faut aller aux ventes. Fait que j'ai toujours eu à jongler comme ça. Ça fait que ça a toujours été un petit peu rock'n'roll.
Et au niveau du monde des affaires, nécessairement, au début, imaginez, il y a 11 ans, j'étais vraiment l'hurlu-berlu en affaires. Qu'est-ce que c'est ça? Ça se peut pas, une entreprise à deux missions. Je me souviens de m'être battue avec le CLD en disant, moi, mon entreprise a deux missions. Puis on disait, impossible. Mais j'ai dit, pour moi, c'est ça. C'est ça que je veux. Il va y avoir deux missions, une mission sociale et une mission commerciale. Oui, c'est possible d'avoir à la fois une mission sociale et commerciale. Donc, les obstacles, parce qu'il y en a eu. Alors, on avance 2 ans après le démarrage avec nos amis Crocs. C'était vraiment... ça allait vite. J'étais rendue avec 50 employés. On avait 2 usines. Les affaires étant ce qu'elles sont, soudainement, le soleil s'assombrit pour Hélène Picard. Puis du jour au lendemain, ils ont pris la décision d'affaires d'envoyer tout leur matériel au Mexique. En 3 semaines, il n'y avait plus rien. Je passais d'un million de chiffre d'affaires à 150 000. J'étais dévastée. Et là, il fallait mettre les gens à pied. Je me souviens, quand on mettait les gens à pied, les gens pleuraient. Moi, c'était une période extrêmement difficile. Et je me souviens aussi d'un bon matin, parce que là, je me disais, regarde, je vais tout perdre, parce que j'avais deux entreprises, j'avais 2 places d'affaires, j'avais un bail à un endroit, un bail à l'autre. Et là, heureusement, merci mon Dieu, j'étais avec le même entrepreneur qui s'appelle M. Gaëtan Turcotte. Alors, je me souviens, un bon matin, quand après 3 semaines, l'usine était vide, je suis allée voir Gaëtan, puis j'ai dit, là, Gaëtan, regarde, je vais tout perdre. C'est terminé, mon aventure s'arrête. Je dis, regarde, je pourrais pas supporter. Bon, ben, tu sais, ça va s'arrêter là. Alors, Gaëtan m'a regardé puis dit, non, Hélène, ça va pas s'arrêter. Il dit, regarde ce que je vais faire. C'est qu'il prend un bail, il le déchire, puis dit, là, tu vas m'écouter. Tu retournes au 445, puis tu continues parce que tu fais, c'est extraordinaire. Puis il dit, je vais être là pour t'accompagner, t'as-tu compris? Il dit, tu repars, puis il dit, je veux plus que tu pleures. Fait que je suis repartie, on a ramassé nos trucs, on s'est en allé au 445, et puis là, on a reparti, on a retravaillé au niveau des ventes, tout ça, et tout au cours de ces événements-là, jamais que la commission scolaire a abandonné. C'est quand même important. Et du côté des ventes, ben là, il fallait aller de l'avant. C'est que ça n'a pas été facile. J'ai travaillé très fort et puis jusqu'à, je vous dirais, tout près de l'épuisement. Et je me souviens, à un moment donné, j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Alors, j'étais dans mon usine. Puis là, je me disais, bon, écoute, là, je pense qu'il va falloir s'arrêter. Je vais y laisser ma peau. Et là, comme je ne suis pas une personne qui abandonne facilement, j'ai ouvert la porte, je suis allée voir mes jeunes, puis je les regardais, puis je dis, non, tu peux pas abandonner. Tu peux pas abandonner ces jeunes-là qui sont en train de faire leur place sur le marché du travail. Il faut que tu continues. Je priais, je disais, écoutez, là, s'il y a quelqu'un de plus fort là, au-dessus de tout ça, ça va me prendre de l'aide parce que ça n'a pas de bon sens. Je dirais, quelques jours plus tard, j'ai un appel. Ça, je vais vous le dire, puis il est possible qu'il y ait de l'émotion dans ce que je vais vous raconter, parce que c'est un moment qui a été particulier pour moi. Alors, c'est un homme d'affaires qu'on connaît très bien, Pierre Cliche. Alors, Pierre, il m'appelle, il dit, Hélène, j'aimerais que tu viennes dîner avec moi. C'est que je suis partie. Je sais pas pourquoi, il m'invitait à dîner. Alors, il me dit, bon, il faisait beau, c'était en avril, c'est un événement dans ma vie, j'oublierai jamais, jamais, jamais. Alors, il me dit, Hélène, il dit, regarde, il fait beau, il dit, on mange dehors. Es-tu d'accord? J'ai dit, oui, oui, on va manger dehors, mais je sais pas ce qu'il me veut. Fait que, puis je trouve ça un peu spécial, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, ce monsieur-là, il est extraordinaire. Fait qu'il me dit, bon, on s'assoit, il dit, veux-tu un petit verre de vin? Je dis, non, faut que je retourne au boulot, puis là, il me sent fatigué. Il dit, écoute, Hélène, il dit, je vais aller droit au but. Il dit, combien ça prend? Combien ça prend pour que tu puisses, aller en vacances, te reposer, puis il dit, respirer, parce qu'il dit, ce que tu fais est extraordinaire. Puis il dit, je veux contribuer. Fait que là, je suis toute virée en envers, parce que je me dis, mon Dieu, c'est une réponse du ciel pour moi. Là, je me dis... Wow! Là, je dis, je le sais pas. Je ne sais pas combien ça prend. C'est qu'il me répond, écoute, on a le même comptable. Il dit, cet après-midi, je suis chez le comptable. Je vais mettre ce que ça prend. Mais il dit, à une condition, tu pars en vacances. Il dit, une semaine, va te reposer. Alors, je suis partie. Je suis partie.
pendant cette période-là, il y a eu un montant d'argent qui a été transféré dans mon organisation. Je suis allée me reposer, je suis revenue, puis je suis tellement reconnaissante d'avoir eu cet homme-là sur ma route pour justement garder le cap, à continuer à aider, parce que pour moi, c'est super important ce qu'on est en train de bâtir là. C'est une nécessité, c'est un service qu'il faut garder pour pouvoir continuer. Alors, on continue, ça a remis l'entreprise, je vous dirais, dans la rentabilité, parce qu'on avait vraiment un problème de rentabilité. Et là, moi, je continue à travailler très fort et puis à faire en sorte que tout s'organise. À l'intérieur de l'organisation, c'est sûr qu'on a dû mettre des outils très particuliers pour assurer la rentabilité à tout coup. Alors, on est devenu une entreprise avec les meilleures pratiques d'affaires. On travaille avec toutes l'approche Lean pour nous permettre, je vous dirais, à 3 fois par jour, il y a un contrôle sur la rentabilité pour s'assurer que plus jamais on allait retourner dans des situations aussi fragiles. Donc, on est venu travailler notre grande fragilité, puis pour pouvoir assurer le futur d'une telle organisation, assurer la pérennité d'une telle entreprise. Les défis sont grands. On n'a aucune aide pour adapter les outils au niveau des jeunes, parce que les jeunes, au cœur de nos préoccupations, nécessairement, c'est nos jeunes. Et l'entreprise s'adapte aux jeunes, c'est pas l'inverse. Alors, on doit adapter toutes nos méthodes de travail. On décortique à sa plus simple expression, ce qui a fait en sorte que dans l'univers du monde des affaires, on est devenu, aux yeux de nos clients, plus ISO qu'ISO. Avec le recul, quand je regarde, on a maintenant 11 ans de vie d'affaires, qui est maintenant l'entreprise qui va super bien. Je dirais, c'est tellement important de croire en ses rêves. C'est tellement... moi, je regarde, malgré tous les obstacles qu'il y a eu sur ma route, je dirais que... Puis c'est là que je fais la référence par rapport aux jeunes, où j'ai découvert que j'avais une détermination inébranlable. Ça prend de la détermination. Il faut pas hésiter non plus de... Comme moi, bon, j'ai demandé de l'aide. Puis je suis contente de regarder aujourd'hui ce que c'est devenu. Alors, croire en ses rêves, écrire... J'ai écrit la mission. Ce que je vous ai raconté a d'abord été écrit avant de se matérialiser. Donc, c'est tout. Je pourrais vous sortir des écrits, puis vous verriez de ce que j'ai rêvé. Et aujourd'hui, en réalité, est devenu réalité, ça s'est matérialisé. J'ai toujours dit que le matin où je fermerais les yeux, la première fois où j'ai failli les fermer, je me suis dit, j'aurais regretté quelque chose. Aujourd'hui, je peux vous dire que le matin où je fermerai les yeux, je vais dire « mission accomplie ». 10 ans plus tard, son entreprise post-conventionnelle est enfin reconnue. À preuve, Coup de pouce a été honoré par la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce en lui attribuant le prix Coup de chapeau lors du Gala des Perséides en 2015. En mai 2016, elle reçoit le prix d'excellence dans la catégorie Proactif RH au Gala Les Pléiades de la Chambre de commerce de Lévis. De belles récompenses pour avoir cru en ses rêves avec persévérance et ténacité. C'est ça la vie.